Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, focus sur ce modèle de leurre-ci, le Baby Louis. Il a gagné un award sur pêcheur.com et oui, vous avez été nombreux en tant que pêcheurs à voter pour dire que ce leurre était le meilleur leurre à vos yeux. Ce leurre est décliné dans plein de coloris différents. Il fait 3,5 cm de longueur, c'est-à-dire qu'il est vraiment tout petit. On le reconnaît assez facilement par son œil noir avec une croix blanche qui représente la marque Monkey Lures. Alors aujourd'hui, le concept est simple. Nous allons donc utiliser des Baby Louis. En voici plusieurs modèles, plusieurs coloris différents. Je vais pêcher avec, je vais pêcher en rivière. La rivière, elle est juste derrière moi. Je vous emmène pêcher la truite et tous les autres poissons de rivière avec le leurre qui a gagné l'award chez pêcheur.com, le Baby Louis. On a un temps incroyable pour l'ouverture de la pêche. Il fait doux, il y a du soleil, il fait genre 15 degrés. Là. Génial. A few moments later. Là, il faut absolument que je me casse. C'est bien la tempête là. Je me casse. Voilà, un petit coup d'eau et puis on y va. Il y a de tout. Il y a aussi des cendres. Bah, ils sont très très rares. Brochet, j'ai attrapé brochet, cendre, perche, chevenne, barbeau, j'en ai déjà vu mais j'en ai pas encore attrapé. Et truite. Il y a même des coïnes ici dedans. Ah ça je sais pas, mais j'ai déjà vu des carpes aussi, ouais, mais koi ça j'ai pas vu. Bonne promenade alors. Waouh, non, ma chaussure blanche. Faites pas comme moi, hein. Putain, j'ai ruiné mes pompes. Allez, spot suivant. Petit Baby Louis, je vais aller pêcher dans son jardin. Est-ce qu'il y a des poissons? Je vais essayer de m'approcher de très loin parce que si ça se trouve, il y a des poissons juste là devant. Et avant d'aller marcher tout près, je vais pêcher de loin. Voilà. Oh, hop, ça glisse. Le débit est assez fort. Voilà, comme toujours, hein, l'ouverture de la saison, c'est toujours compliqué au niveau débit. Mais bon. Ah, je viens de rater un poisson. C'était pas gros. Premier contact avec un poisson. Et il revient pas. Là, ça sent bon. On va pêcher là. Vous voyez, là, il y a le courant puissant. Là, il y a le courant un peu moins puissant. Je vais faire ça. Poisson. Bon, la première. C'est la première. C'est la casquette bleue, ouais, exact. Un petit Baby Louis, une casquette bleue, c'est réglé. Voilà, il est décroché, parfait. L'avantage de pêcher sans ardillon. Petit Baby Louis, coloris brun, avec un petit ventre rouge. Mon coloris préféré, d'ailleurs. Bon, ben voilà, premier poisson, ça fait plaisir. Et voilà, belle couleur. Hein. Et voilà, premier poisson belge dans les puisettes. Une arc-en-ciel. Plutôt des belles couleurs, regardez-moi ça. Cool, hein? Ok, on va mettre ça dans l'eau. Bon, ben, reparti, voilà. Yes. Mon petit Baby Louis, il est vraiment top pour pêcher des rivières comme ici, où les poissons font généralement 25-30 cm. Ah, Baby Louis, c'est la proie parfaite, quoi. Il ressemble un peu à un granulé, donc toutes les truites qui sont des truites qui viennent de pisciculture, bah, elles sont habituées à manger un peu cette taille-là. Donc voilà pourquoi Baby Louis est un leurre qui fonctionne super bien. Bon ben voilà, encore une fois, même technique, c'était une pierre dans le fond et c'était pas une branche. Ben mon petit coup de ligne, tac, et je suis décroché. Ah, j'ai vraiment pas de chance en fait là. Avec un peu de chance ici. Ah, je l'ai vu, super.
poisson. C'est quoi ce poisson? C'est un nom ou un cheval? Non, c'est un cheval. Bon, là, c'est pas maintenant qu'il faut se torcher. Ouh, c'est un cheval. Je dis qu'il vous ment pas hein, quand il vous dit que Baby Louis en rivière, c'est le top parce qu'il plaît aussi aux cheval, etc. La preuve en image. Hein. Voilà. Allez, je remets ça dans l'eau. Quand je vous disais que Baby Louis avait la bonne taille. Voilà. Cool. On se retrouve dans une gamme de leurres qui est vraiment super adaptée pour pêcher en rivière. Au niveau des montages et des montures, je vous conseille d'utiliser des hameçons de taille 4 pour l'équiper, avec des plombées qui vont varier en fonction de la profondeur et du courant dans lequel vous allez pêcher. J'utilise ce petit Baby Louis qui est un extrêmement bon leurre pour pêcher dans des rivières comme ici, qui sont des rivières où il y a des poissons qui sont de type fario, qui vivent dans la rivière et qui ont été réempoissonnés bien sûr comme un peu tous les poissons. Il y en a peut-être qui se reproduisent, ça je n'ai aucune idée, mais tous les poissons qui viennent de pisciculture, finalement eux ils mangent des granulés quand ils sont en pisciculture et Baby Louis il a la taille d'un granulé. Allez, je continue. Pour la petite histoire, ici, juste après le tournant, il y a un an, donc à l'ouverture, en pêchant la truite évidemment avec des tout petits leurres, j'ai fait monter un poisson monstrueux et quand il s'est retourné, j'ai remarqué que c'était un sandre. Et donc là, j'ai pas compris. Parce qu'un sandre de plus de 60 cm dans une rivière comme ici, je comprends pas quoi. Donc, si je peux capturer un sandre de 60 cm avec mon petit Baby Louis, je serais un petit peu foufou quoi. J'essaie de pêcher un peu cette zone là qui est très jolie, mais on est très mal positionné ici pour la pêcher depuis la berge, donc je pêche tant bien que mal, mais voilà. Là, nous y sommes. Il y a une fosse là à ma droite et c'est dans cette fosse que j'ai fait monter ce monstre. Quand je vous dis un monstre, c'est un monstre. Quand je disais 60 cm, c'était plus que 60. Hein. Je ne sais pas estimer mieux la taille, mais là, je peux juste vous dire une chose, c'est que quand on traque la truite et qu'on voit un poisson arriver comme ça, ben on a limite peur. Quoi. Moi, il m'a fait peur. Au début, je croyais que c'était un brochet. Ça me paraissait plus sensé. Brochet en rivière, ça, c'est normal. Mais là, un sandre... J'espère qu'aujourd'hui je vais pouvoir vous montrer plein de poissons. Je vais utiliser cette canne-ci, cet ensemble-ci pour aller faire cette pêche en rivière. C'est la Silver Dust Pin 195, donc elle fait 1,95 m de long. Elle fait 1 à 7 grammes de puissance et donc une canne ultra light. C'est une action semi-parabolique. Je vous montre, c'est assez facile à comprendre. Regardez où est-ce qu'elle plie. Elle plie sur la moitié de la canne, vous voyez? Quand la canne plie, elle va plier jusqu'à la moitié de la canne. Ici, c'est la moitié de la canne. Hein. Une action parabolique complète, elle plierait jusque au porte-moulinet, vous voyez, c'est la façon dont on va plier la canne. Et une action fast, elle, bon, je vais vous la simuler hein, parce que c'est pas vraiment ça, elle plierait que sur la fin, que sur la pointe. Pêcher avec une action fast, ça va vous permettre de pêcher avec des leurres dures et de pouvoir faire des animations très rapides. Vous voyez, des petites animations, coups de poignet, on appelle ça des petits twitch, des petites jerks. Eh ben, les actions fast, elles sont bien pour ça, mais elles sont moins bien pour le reste. Les actions semi-paraboliques comme celle-là, c'est ce que moi je préfère pour pêcher en rivière. Et alors moi sur cette canne, j'ai rajouté un moulinet de chez Stukitun. La canne est de chez Stukitun, le moulinet aussi, qui s'appelle le Dynamite 1000. C'est parti, on va maintenant à la pêche. Merci. C'est parti. Yes.
On a l'eau, cocotte. Tiens. Encore une. Oh, encore un peu, je suis dans l'eau aussi. Je pense que j'ai le cul tout plein de boue. Elle est bien arrosée celle-là, hein. Regardez ça quoi. Allez, on la remet dans l'eau. Hop là. Tiens, un poisson. Dans le courant derrière la branche. Oh, c'est une belle. Elle est super belle. C'est presque 40 cm celle-là. Yes baby. Poisson à la pouillette. Et ouais, on a presque 40 cm là. Hein. Oh, j'ai failli tomber dans l'eau. Bon, ben sur cette fin de journée, on enchaîne bien les poissons. On dirait que tout s'est recalmé. On dirait que les gens ont beaucoup pêché ce matin. Et du coup, ben, cet après-midi, il y a un deuxième coup à faire. C'est le moment là. Les truites sont actives, j'en fais un peu dans des postes marqués, mais aussi en pleine eau. Donc là, ce poisson-là, il était en pleine eau. Cool, c'est pas fini, le soleil est encore haut, il y a encore moyen de faire des poissons. Je vais switcher mon baby Louis pour une petite ordure. Comme ça. Poisson nageur comme ça. Sur lequel je vais bien sûr écraser les ardillons. Petit leurre sympa, couleur cuivre. Allez, on va voir si je vais changer ma pêche. Sur les ordures. Hop là. On va les accrocher, je pense. Je suis trop mal mis. Allez, j'ai une chance. Allez, c'est maintenant. Elle est dedans. Ah, j'ai changé pour un poisson nageur. Ça valait le coup parce que j'avais plus à faire des poissons là. Ça reflète bien au soleil. Beau petit poisson nageur, le cari 50 FS. Donc c'est un plongeant. Là voilà. On a l'eau, cocotte. Voilà ce petit poisson. Ce petit poisson nageur. Il est magnifique d'ailleurs. Au soleil, il reflète vraiment la couleur du soleil. Ça donne des effets lumineux. Et je l'ai pêché plutôt profond. J'ai mis ma canne bien le long de l'eau pour qu'il descende le plus profond possible. Ça a marché, mon petit carry. Que demander de plus? Du soleil, un temps doux, des truites au bord du château. Et bien voilà. Session de pêche terminée, j'ai dû le faire en deux fois, vous avez peut-être vu à ma tenue vestimentaire que j'ai changé d'habit, c'est tout simplement parce que il y a une tempête de pluie devant, j'ai dû m'enfuir et donc je suis revenu pêcher un autre jour pour pouvoir clôturer cette petite vidéo qui était destinée à tester le Baby Louis qui a eu un award chez pêcheur.com. Mais je pense qu'on peut tout simplement dire que ça s'est encore vérifié ici avec cette session de pêche et cerise sur le gâteau, j'ai attrapé plein de poissons. Alors oui, ce leurre-là, il est vraiment excellent pour la pêche en rivière. J'espère qu'en tout cas, vous avez kiffé regarder cette vidéo et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de pêche qui viendra dans deux semaines. Salut tout le monde !